Le Premier ministre indien Narendra Modi en pleine campagne pour des élections clés au Pendjab. Quels que soient les résultats dans cet état du nord-ouest de l'Inde, certains se réjouissent déjà. Dans ce centre de désintoxication, les patients affirment que les périodes d'élections sont toujours très populaires dans leur village. Comme tout toxicomane, j'adore les élections et j'aimerais qu'elles aient lieu tous les mois parce que c'est la meilleure période pour obtenir ce qu'on veut. Chacun reçoit ce qu'il désire. D'habitude, on doit sortir chercher un dealer, mais pendant les élections, on reçoit les drogues gratuitement à domicile. Quand ils arrivent au village, ils disent « Tout ce que vous voulez, toutes les drogues que vous voulez, on vous les donnera tant que vous votez pour nous. » Séduire les électeurs à coups d'espèces, d'alcool ou même d'appareils électroménagers est monnaie courante en Inde. Mais au Pendjab, c'est la drogue qui est utilisée comme arme fatale dans un état qui compte des dizaines de milliers de toxicomanes. Situé à la frontière avec le Pakistan, il est la porte d'entrée de nombreuses substances dans le pays. Sur scène, les candidats des différents partis promettent des lois et sanctions alourdies pour éradiquer ce fléau. En coulisses, c'est une autre histoire. Quand ils organisent des grands meetings, ils rassemblent des groupes de personnes pour y aller. De l'héroïne est offerte à un groupe, de l'alcool à un autre, des pilules au troisième et de l'opium au dernier. La police a promis des mesures renforcées en période électorale avec des barricades et des fouilles de véhicules. Nous sommes déterminés à contrôler la menace dans cette région. Nos hommes travaillent sans relâche. J'espère que ces élections ne vont pas être affectées par la grande quantité de drogue disponible ici. Le problème de drogue est tel qu'il est devenu un thème fort des élections. L'opposition accuse les autorités au pouvoir, alliées du parti de Modi, de fermer les yeux